C'est le premier épisode, c'est le premier réflexe qui m'est venu, c'était ça, la gestion du temps d'écran, parce que c'est quelque chose qu'on se parle entre parents tout le temps. C'est vraiment intense, là. Olivier? Ouais. Une petite game? En écoutant le balado? Petite game. OK. Mais là, tu sais, t'es comme bon, là, mettons, je vais me faire planter. Je sais pas, mais là, j'ai juste joué une game tantôt. Ouais, mais tout le monde disait, genre, oui, c'est donné. Je te jure, c'est vrai que vous avez dit ça. Quand on se retrouve dans Ruelle, à la fin de la journée, on se compare le temps d'écran. Ah, moi, aujourd'hui, mon Jason a fait trop de temps d'écran. Il a l'air d'un zombie. Ah, j'ai donné un peu plus de temps d'écran aujourd'hui à mon petit Mamadou parce qu'il a fait la vaisselle. Ah, moi, j'ai enlevé tout son temps d'écran à Léa Kim tantôt. Pardon? Jusqu'à quand? Jusqu'à sa puberté. Oh! Come on, you... Mais no joke, j'ai plein de questions à te poser. Tu sais, moi, je suis dans un setup où mon enfant a un an et huit mois, là. Tu comprends que je suis pas tantôt dans le setup d'écran, mais tu sais, quoique oui, beaucoup, parce que on est rentré dans le « OK, on va essayer pas d'écran les deux premières années. » Mais là, tu sais, on est... Bonne chance. C'est vrai ça, puis on est... Moi, j'ai un ami qui est psychoéducateur, puis il me disait que de 0 à 2 ans, c'est comme pas une bonne idée, dans le sens où, pour son interaction avec les autres, il disait que s'il se fait trop stimuler de façon passive, c'est-à-dire que lui, il bouge pas puis qu'il se fait surstimuler, il voit pas pourquoi il se stimulerait avec un petit bout de bois, mettons, tu sais. Fait que nous, on est beaucoup là-dedans, mais je pensais pas que c'était à ce point-là, tu sais. Puis ce que tu me disais pendant qu'on jouait, c'est que t'es obligé d'instaurer des règlements nazis. C'est-tu exagéré ou si c'est vraiment même ça se passe? Les algorithmes de ces applications-là, là, surtout les réseaux sociaux, sont faits pour que tu sois toujours en train de scroller éternellement. Ouais. Puis là, c'est arrivé petit à petit. T'sais. À quel moment tu décides que ton enfant peut s'inscrire sur Instagram, peut avoir son téléphone? T'sais, ça, c'est toutes des questions qu'à un moment donné, tu te poses. Puis que... Qu'est-ce qui t'a donné envie de mettre des règles? C'est-tu justement le regard des autres ou c'est un « je le sais » que tu vas virer fou puis que ça va être trop intense. Fait... Ben, je pense ouais, que je le savais parce que moi, je suis moi-même fou. Ouais. T'es toujours sur mon téléphone, toujours en train. C'est un peu ça ma vie. Là. C'est un peu ça ma job aussi au départ. C'est ça que j'essaie de me faire croire. Là. C'est ça que j'allais dire. Non, mais oui, je comprends. Mes parents étaient plutôt lousses, mais il n'y avait pas à tenir compte du temps d'écran de mes amis. Parce que les écueils les plus fréquents viennent des autres parents. Il y a les parents qui laissent pas leurs enfants toucher à une machine sans leur approbation temporaire et surveillée. Les enfants de ceux-là risquent d'être souvent chez vous à gruger le temps d'écran de votre enfant. Moi, ce que je trouve dur, c'est le regard des autres. Tu sais, mettons, t'arrives chez quelqu'un. Au début, je me souviens, là, on est allé chez un ami. Tu sais, c'est un petit écran de pas de bon sens, là, tu sais, avec le gros teaser de film en arrière, là, qui joue avec des guns puis toute la patente. Puis là, il y a mon enfant, tu sais, d'un an qui est de même. Puis là, tu sais, comment t'interagis, comment tu fais... Deviens-tu le parent freak qui fait « Ouais, ouais, nous, les écrans, c'est pas beaucoup. » comment tu gères ça? Puis en même temps, je veux pas que mon enfant soit assis devant, genre, des filles tout nues qui gonnent d'autres filles tout nues. Là, tu comprends, tu sais? En tout cas... Mais ça, je pense que ça a toujours été un enjeu. C'était juste avant, c'était pas les écrans, là. Mais tu sais, moi, je me souviens, quand j'étais jeune, mes parents étaient bien sévères sur la bouffe. Puis quand Jean-Philippe Vautier, nos parents étaient amis. Fait quand ils venaient chez nous, ben lui, il avait pas le droit de manger de Smarties, puis il m'en parle encore, là. Ça reste un équilibre difficile, hein? Nos enfants communiquent entre eux par l'entremise de ces plateformes-là. Si mon ado ne reçoit pas l'invitation à aller faire du basket au parc parce qu'il n'a pas de Wi-Fi, tout le monde en sort perdant. J'ai peur, moi, que mon enfant devienne cet enfant qui ne fait que ça et qui a de la difficulté avec ses relations sociales, qui aime pas ça faire du sport, qui aime pas ça bouger, qui aime pas ça faire des activités, que tout ce qu'il aime, c'est ça. Je sais pas comment... On dirait... T'sais, moi, je l'ai vécu, ça, parce que moi, j'étais le temps d'écran, ça n'existait pas quand j'étais jeune. Ouais. Là, ce concept-là là, de gérer le temps d'écran. J'allais je passais dire ça. Du temps ouais. en esti sur mon, c'est ça. Sur mon ordi. C'est là, ça. Puis pour moi, qui était comme plus introverti, discret, ouais. communiquer avec Internet, ça m'a vraiment beaucoup aidé dans ma vie. Ouais. Puis ça m'aide encore. Fait que tu sais, il y a un côté que je me dis, c'est pas si pire que ça à certains égards. Puis c'est pas nécessairement le nombre d'heures qui passent là-dessus, mais c'est qu'est-ce qu'ils font avec ça aussi. Parce que s'ils passent, ce que je contrôle le plus en ce moment, c'est TikTok puis Instagram, ces affaires-là. Parce que tu sais, ils scrollent une affaire, puis là, après ça, t'as un motivateur qui, genre Andrew Tate, là, ou je sais pas quoi, là, tu peux facilement te ramasser
passer sur Andrew Tate sur TikTok sans le vouloir. Ça peut les aider à se responsabiliser aussi, c'est niaiseux. Mais... Ouais. Tu peux pas être toujours au-dessus de son épaule non plus en train de checker ce qu'il fait. C'est pour ça que moi, mes parents, quand j'étais sur Internet à 14 ans à checker de la porn, là, ils étaient pas en arrière de moi. Là. Quoi? Non, c'est vrai. Des images qui download. Chaque mot que tu prononces là, dans les dernières secondes m'angoisse au plus haut point. J'ai tellement la chienne. Je te donnerai mes trucs de je vais contrôler mon Wi-Fi. Je vais écouter tes épisodes. Ouais, c'est ça que je vais faire. Oh non. T'as-tu reçu ma tortue? Ben, d'après moi, tu l'as envoyé sur quelqu'un d'autre. T'es pas Yoshi? Ah non, ça c'est la petite Oompa Troompa. Et voilà. Ça, c'est con parce que quand on jouait avant que ça compte, là, c'était moi qui gagnais. On va en refaire un autre. T'as-tu joué beaucoup à ça pour vous? Ah oui.